Donc, mesdames, messieurs, bonjour et merci à tous ceux qui ont l'habitude de participer à ce webinaire mensuel d'actualité que nous organisons au nom des Colerns pour décoder, comprendre, sortir d'une actualité toujours très, très riche et plus que riche cette fois-ci, malheureusement, je dirais brutale et violente ce mois-ci, décoder, comprendre en quoi le monde cherche à être un peu plus durable, mais là, en ce moment, c'est pas bien parti. Donc, vous voyez, ce n'est pas une revue de presse. J'essaie de vous mettre un peu sur les tendances structurantes et de les analyser en demandant à des experts à chaque fois liés à ces thématiques de venir commenter, challenger, approfondir notre propre vision de ce qui se passe pour bien comprendre les choses, puisque la durabilité se caractérise quand même par une immense confusion et une prolifération d'initiatives dans tous les sens qu'il n'est pas évident de comprendre. Voilà, ce rappel méthodologique étant fait, je rentre directement dans l'essentiel de ce qui se passe en ce moment dans ce paysage. Donc, next, s'il vous plaît, dans ce paysage de l'actualité. Voilà. Alors, évidemment, 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 malheureusement, on peut dire que la situation de guerre qui caractérise l'Est de l'Europe en ce moment, elle introduit des ruptures et on le voit au regard, ne serait-ce que dans le débat présidentiel qui a décalé complètement les préoccupations versus la transition écologique ou autre, elle conduit les entreprises à devoir se positionner. Et je resterai quelques instants sur cette question des positionnements, des conséquences, voulues ou pas. Par les uns et les autres. Alors, si en un mot, on est évidemment rentré dans un basculement géopolitique. Bon, ce qui est la bonne chose, c'est qu'on voit une affirmation européenne et ça va avoir des conséquences sur les politiques européennes qui est extrêmement intéressante. On ne peut pas ne pas noter la décision du chancelier Scholz de dire nous serons en 2035 100% ENR, énergie renouvelable. Je ne sais pas si les Allemands y arriveront, mais en tout cas, ils le disent et ils prendront peut-être les décisions qui conviennent dans leur rapport au gaz et autres, mais c'est déjà une annonce tout à fait fondamentale. Alors, évidemment, on voit bien que le business là-dessus est obligé de suivre, il doit suivre. On va noter du reste pour tous ceux qui sont engagés, toutes les entreprises sont engagées dans les objectifs de développement durable, que c'est un des objectifs, la paix, hein, et la contribution à la paix et à la loyauté des relations économiques. C'est le fameux ODD 16, je le cite. Et une étude du Potsdam Institute est sortie il y a 2 jours, disant que le lien était direct entre sustainability, durabilité et paix, et évidemment, il n'est pas inutile de le rappeler. Alors, on va rentrer là dans un contexte effectivement de conflictualité entre blocs autoritaires, non négligeables, et puis un bloc occidental qui va, dans ce domaine, peser fortement autour de ses valeurs. Et il est certain que la question des embargos, mais aussi des réformes sur les échanges qui ont commencé à l'OMC et ailleurs, en ressentiront toutes les conséquences. Donc là, nous sommes évidemment sur un trend tout à fait nouveau. Je voudrais vous citer quand même, c'est important, les décisions qui ont été prises par certains acteurs. Alors, des actionnaires de BP et de Shell, je serais content que Hervé Guez commande ce point, ont poussé ces deux grandes sociétés d'oil and gas à dire nous quittons la Russie ou plus exactement on lâche nos actifs russes. La décision de JP Morgan est intéressante parce que je ne sais pas si c'est possible et encore une fois je sollicite Hervé Guez pour commenter ceci, mais ils disent qu'ils arrivent à sortir toutes les actifs significatifs russes de leur ligne ESG. Bon, et les grands logisticiens, vous l'avez peut-être noté, Maersk, CGM et autres, ont dit qu'ils allaient jouer à fond là-dessus. Et je vous mets à disposition, quand même, il faut le lire, le communiqué de Total Energy, qui est important parce que Total prend une position très, très politique, assume aujourd'hui une position sans ambiguïté sur la question. Alors, comment ça va se traduire du point de vue de ces investissements et de ces activités là-bas, ça c'est moins défini à ce stade, mais on voit bien que les entreprises doivent s'engager, s'engagent.
président de la Société Générale a annoncé aussi qu'il allait, qu'il est capable d'affronter cette question. Donc, on a un suivisme quand même qui est relativement positif, engageant de la part des acteurs économiques. Voilà. Next, please. Alors, maintenant, si je reviens au contexte depuis un mois de ce qui s'est passé dans nos domaines de la durabilité, je dirais que vu de Paris, on a un débat présidentiel qui est assez étonnant parce que il est sur le rattrapage plutôt de la situation, retour vers une situation plus normale après la pandémie, et les questions de la transformation écologique ne sont pas clairement bien abordées ou abordées ou traité, de même que l'offre écologique dans ce domaine n'arrive pas à se faire entendre. Et c'est assez étonnant parce que finalement, la préoccupation de l'opinion comme du gouvernement, c'est de compenser les hausses de l'énergie, donc pour continuer à circuler, produire, etc., comme si de rien n'était, quelles que soient les pressions là-dessus. Et on ne demande pas aux Français de réduire leur consommation d'énergie, on va les aider au contraire à poursuivre dans une autre logique. Donc, on voit bien que là, on n'est pas rentré et du tout dans l'appréhension de l'enjeu climatique, en dépit du rapport du GIEC dont je reparlerai, qui annonce sur la question de l'adaptation, qui annonce qu'on est sur le train des 3 degrés à la fin du siècle, avec des conséquences pour la moitié de la planète. Je laisserai à Hervé Guez le soin de traiter le scandale Orpea et des EHPAD, qui est quand même très très sérieux, d'une part parce qu'il remet en question un modèle là qui est public-privé, mais aussi parce qu'il interpelle complètement l'ESG. Bon, alors Mirova s'est exprimé là-dessus, Hervé Guez nous donnera ses explications. J'ai trouvé que les commentaires des médias étaient à la fois un peu parfois anecdotiques, mais aussi assez fondamentaux sur le fait qu'il faut choisir son modèle. Et les approches mixtes, un peu telles qu'elles existent aujourd'hui, qui trompent leur monde, posent vraiment des questions. C'est du reste pour beaucoup de personnes assez insupportable. Et donc là, il faut que la CLISR et la RSE se positionnent dans cette affaire. Bon, on est dans un cycle de résultats là, annoncé par les grandes entreprises qui est assez incroyable. Les explications viendront, réduction des coûts, développement, digitalisation et autres. Enfin, on est dans une année de profit historique qui, évidemment, ouvre le débat à fond sur le partage de la valeur, et celui-là, il est là et il ne va pas cesser de s'arrêter. Pour information, je trouve intéressant dans le débat des spécialistes une remontée cette préoccupation très fondamentale mais qui émerge peu dans les politiques publiques aujourd'hui, c'est on devrait relier mieux la contribution à ces entreprises à la fiscalité. C'est un débat qui fait un peu son chemin, qui avance et dont on reparlera. Et enfin, à noter quand même, là aussi dans ce que j'appelle les signaux faibles à suivre, l'association FNE, qui est la première ONG française en environnement, qui appelle un peu à dire il faut qu'on individualise les comportements économiques des Français, des ménages. Attention, on n'est pas loin là du contrôle social. Ce sont des idées qui sont poussées dans le débat, mais qui ne sont pas neutres. Et puis, dans ce paysage général, je signale le sondage d'Impact France, un grand mouvement. Et aujourd'hui, près de plus de 2000 entreprises qui réunit tous les acteurs tech for good, économie sociale, etc., qui se structurent bien, et qui a fait un sondage où on voit qu'il y a un problème de crédibilité sur ces questions des RSE dans la population, qui évidemment est tirée entre vous m'affichez des promesses et la réalité n'est pas celle-là. Voilà. Donc attention à ce sujet. Alors on avance sur s'il vous plaît, voilà, sur les deux points. Je vais parler tout à l'heure rapidement des questions des innovations et des initiatives. En attendant, je vais parler un peu de ce qui vient structurer un peu le paysage. Alors, la directive qui s'appellera plus HERDD, mais Corporate Sustainability Due Diligence, donc CSDD, qui est sorti, donc le texte de la Commission est sorti cette semaine. Alors, très, très important texte, puisqu'il a choisi finalement, au final, Renders et Breton ont choisi d'avoir une application extraterritoriale. Donc, tout opérateur en Europe devra être vigilant sur sa chaîne de valeur, sur un certain nombre d'éléments, dont l'application de l'accord de Paris.
Et ceci va passer dans la moulinette maintenant. Le plan d'application, le délai d'application a été concédé aux organisations patronales pour dire oui, ça sera 2024, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas aller trop vite. Bon, mais le texte est très fondamental, très fondamental. J'annonce aussi, enfin, je cite aussi que les PRI ont mis en place un. Sur les questions de diversité, d'inclusion et d'inclusion qui sont très sensibles, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, une nouvelle demande d'indicateurs là-dessus. On a parlé le mois dernier des questions d'achat responsable qui progressent. Il y a un débat autour des budgets alimentaires qui, évidemment, est très important parce qu'ils ne peuvent pas augmenter tellement et pour autant, ils sont tirés par la question des matières premières. Et là, on a un sujet très, très, très important qu'il faudra traiter avec au cœur l'économie agricole. Tout ce qui a pu être fait déjà, on voit bien, ne tient pas réellement là-dessus. Et on ne peut pas ne pas citer, mais je ne développerai pas, le sommet sur les océans qui a eu lieu à Brest, avec plein de décisions intéressantes, une mobilisation d'acteurs quand même qui est forte, de la part aussi des entreprises qui sont concernées, et l'affirmation de ce qui sera normalement devait être à l'agenda de la conférence sur la biodiversité, c'est-à-dire les 30% d'espaces naturels à sanctuariser. Donc, du point de vue de la régulation internationale, ce n'est pas inutile. Ce sommet est une étape importante. Voilà, sur le fond. Alors maintenant, si on rentre next, si vous voulez, dans les initiatives un peu plus françaises et un peu plus au jour le jour, je dirais, mais qui semblent très contradictoires. Alors, moi, je suis très frappé, je le cite, on y reviendra, par la confusion qui s'installe dans les fonctions de responsabilité. Aujourd'hui, il y a tout un courant qui pousse l'impact officer. Après, on a vu les directions de l'engagement sociétal, direction du développement durable. Il y a une étude de Burdeo là-dessus qui fait le point un peu sur cette montée en puissance, elle traduit quand même une sorte de pression dans toutes les directions, une difficulté quand même à organiser bien le qui fait quoi, je pense, voire une extension du champ de la responsabilité qui est en train de se placer. Il faudra traiter cette question. Bon. Débat important que France Stratégie a développé aussi ce mois-ci sur la question de la mobilité, en disant dans un rapport, faut foncer sur les innovations technologiques, mais en fait, tout est probablement une question de comportement. Et donc, quid versus l'avion, quid versus les mobilités douces et autres. Et là, sur les comportements, ben, on voit pas ce qui est tellement fait. Et donc, ça bouge pas parce qu'on n'a pas trouvé ce couple innovation-comportement, sobriété à organiser. Bon, l'étude est à lire. Et donc, ensuite aussi, un travail important fait à la fois par CDP et le BCG sur les émissions dans la chaîne de valeur qui renvoie à la directive de la Commission, c'est que quand même le ratio, c'est dans la chaîne de valeur, c'est 11 fois les émissions de l'activité directe d'une entreprise, ce qui pousse aujourd'hui à aller vers le référentiel SBT, donc Scientific Best Target, qui n'intéresse pour l'instant que 3% des entreprises, donc c'est très très insuffisant. Bon. Alors, j'ai noté, mais je ne vais pas les développer là, parce que vous recevez le fichier, quelques autres informations. Simplement, je noterai ce qui est intéressant, c'est que il y a donc le lancement de ce label Responsibility Europe qui a quand même une vocation à affronter B Corp, qui est quand même le label américain qui veut s'installer ici avec une démarche très 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 marketing. Et donc là aussi, on a un terrain qui est extrêmement confus. Qu'est-ce qu'un label? Qui le contrôle? Qu'est-ce que c'est? Là-dessus, les questions sont nombreuses. Alors, si on progresse du côté, on termine du côté des innovations pour tenir l'horaire. Next, s'il vous plaît. Merci, je vais passer la slide qui suit. Si on veut, voilà, merci. Donc, je note que l'aéronautique, donc on le sait, s'est mobilisée depuis pas mal de temps. La déclaration de Toulouse est un milestone vraiment important de la part d'Airbus, Safran, etc., pour dire il faut miser complètement sur les carburants qui seront des carburants non fossiles et
une demande à ce que l'incorporation obligatoire de la part de l'autorité européenne soit augmentée. Bon. Un débat intéressant posé par Renault à propos de la renouvellement de son accord social RSE international. Il n'y a plus tellement d'entreprises qui en font, c'est dommage, mais c'est de relancer notre fameuse GPEC, donc l'employabilité dans la transformation durable, avec une information, c'est Renault dit, ben moi je vais avoir mes activités qui sont mes activités anciennes et mes activités nouvelles, électriques, et finalement c'est peut-être là quelque chose qui se dessine dans la gestion des actifs d'entreprise. Je n'insiste pas sur les expériences de l'acier vert, mais elles sont extrêmement importantes et intéressantes, donc faites par Arcelor, moins 40% d'émissions, c'est pas gratuit non plus, mais bon, c'est important. Et puis, dans la question des médicaments, vous savez, dans le fameux débat, il faut ouvrir les licences obligatoires, donner aux pays du Sud la possibilité de produire et autres. Donc, Pfizer n'est pas resté inerte, ils ont fait un accord de licence volontaire avec des prix différenciés. Donc, il y a une ouverture qui est faite en direction des ONG dans ce domaine qui est intéressant, et notamment un accord passé par l'Union européenne et l'Union africaine pour lever les droits. Donc, à la fois, on essaie de maintenir la propriété intellectuelle et en même temps d'ouvrir la capacité des acteurs émergents à pouvoir se soigner au moindre prix. C'est un compromis qui ne satisfait pas tout le monde, loin de là, mais qui est intéressant à noter politiquement quand même. Sur les questions qui nous suscitent, j'en parle souvent, des questions de fake news, il y a eu un conflit chez Spotify qui a du coup amené à accroître un peu la sélection de ses partenaires et autres, et c'est important à noter, les entreprises prennent des décisions dans ce domaine. Voilà. Je vous passe la publicité L'Oréal parce que c'est la seule entreprise pour l'instant que j'ai vue qui enfin accepte d'afficher en même temps ses performances sociales et durables et ses performances financières. Et on peut regretter toujours que les publicités, malheureusement, les informations financières ne couplent pas, n'associent pas autant les deux dimensions de cette performance globale. Alors, quelques bouquins portés à votre connaissance, je les signale comme d'habitude, je le fais. Le travail très sérieux, très intéressant, qui ouvre beaucoup de chantiers de réflexion fait par le Shift Project sur décarboner l'industrie, donc comment secteur par secteur, on peut arriver à modifier les process, les fonctionnements, les comportements, etc. Allez voir et nourrissez ce travail qu'a lancé l'équipe de Jean-Marc Jancovici et du Shift Project. Elle est très dynamique. Le livre de toute l'ESS, donc d'Eva Sadoun, sur l'économie à nous. Alors, bon. D'une certaine manière, on réinvente ce qu'on fait depuis 20 ans et en même temps, on l'ouvre avec des sujets nouveaux comme partage de la valeur, fiscalité. Et ça, ce sont les startups et les trentenaires qui poussent ceci. Donc, je les salue, bravo. Et notre collaboratrice, enfin, chez MR21, Laurence Lafitau, notre collègue, qui a publié ce livre où vous avez un inventaire très complet de qui fait quoi aujourd'hui, qui est très bien fait. Bravo, Laurence. Alors, maintenant, je voudrais, dans le temps qui nous reste, faire commenter cette actualité à la fois grave, très, très dure pour nous tous Européens et pour d'abord la population ukrainienne qui souffre là-dessus, en espérant que les choses pourront évoluer et grâce à une pression notamment des entreprises et à une pression des acteurs européens. Donc, je voudrais demander à Hervé Guez et Philippe Varin, que je remercie d'être là, de commenter cette actualité. Alors, demander à Hervé de réagir à ce que j'ai dit par rapport à la position de l'ESG dans tous ces mouvements. Et Philippe Varin, au regard de sa fonction, de son expérience, de sa grande expertise, de la gouvernance des grandes entreprises, nous donnera son sentiment au regard de la crise de cette situation, mais également du travail qu'il a fait pour le compte du gouvernement français et de l'Europe sur l'approvisionnement en minéraux critiques et sur la réindustrialisation européenne avec les ressources dont nous disposons. Merci à tous les deux de jouer le jeu. Hervé, je te passe la parole en premier. Une vingtaine de minutes, ça devrait coller. Bonjour à tous et merci Patrick pour cette invitation. Donc les sujets sont très larges. Donc en 20 minutes, un mot sur la situation peut-être en Ukraine et les questions que ça peut poser sur l'ESG. Puis tu m'avais demandé surtout de développer Oui. le sujet européen et dans quelle mesure il peut nous affecter. Pour mémoire, donc d'où je parle,
Je suis Hervé Guez, moi je suis directeur des gestions, actions et taux chez Mirova. Mirova, c'est une société de gestion de taille relativement modeste. On fait un peu moins de 30 milliards d'encours sous gestion. Et nos fonds sont tous spécialisés sur l'ISR. Et pour ceux qui connaissent, sur des fonds dits article 9 dans la réglementation européenne, c'est-à-dire des fonds qui ont des objectifs environnementaux et sociaux et pas simplement des objectifs financiers. Alors, sur la situation Russie-Ukraine, ça pose une question, me semble-t-il, du modèle de durabilité, puisqu'on a placé finalement, si on devait résumer ce qu'est l'ISR, ce qu'est l'ESG, c'est prendre en compte des problématiques d'intérêt général pour défendre une réinternalisation d'externalités environnementales et sociales dans les décisions d'investissement. Ces externalités environnementales, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup moins parlé ces dernières années des externalités sociales et donc du respect des droits de l'homme, du droit au travail, etc. Et donc, ce que cette crise met en avant, c'est que les enjeux sociaux sont au moins aussi importants que les enjeux environnementaux et qu'il va commencer à devenir, il devient évident quand il y a une situation de crise un peu aiguë, que la question d'investir et d'avoir des rapports avec des régimes autocratiques non démocratiques pose la question en fait du bien fondé. Alors il y a une question qui est liée à l'ESG et il y a une question qui dépasse largement du cadre de l'ESG qui est celle des relations commerciales que l'on peut ou pas avoir avec des régimes démocratiques. Pour ce qui est de l'ESG, nous, notre position a toujours été de dire on peut bien sûr toujours tirer le fil et se dire que tout se tient et que donc, quand on est investi dans une entreprise européenne, à partir du moment où elle a des activités en Russie ou qu'elle est dépendante de son approvisionnement, qu'il soit chinois ou russe, finalement, tout se vaut et donc on peut investir partout. Nous, notre position a été un petit peu différente. Elle a été de consister à dire qu'on a quand même sur l'ISR des endroits où aujourd'hui on ne veut pas investir, les endroits où sur lequel on ne veut pas investir, ça va être toutes les obligations souveraines d'État non démocratique. Ça va vouloir dire toutes les entreprises qui sont directement dans leur siège social et directement implantées dans ces régions, et en particulier, si on devait prioriser, toutes les entreprises un peu stratégiques en termes d'approvisionnement de matières premières, de technologies, etc. Voilà. Donc, la limite que nous, on s'est donnée, c'est de dire l'investissement responsable n'est pas là pour régler tous les problèmes de tout le monde, mais en tout cas, dans ses objectifs, d'essayer d'avoir des objectifs environnementaux et sociaux, ça nous paraissait, et ça nous paraît toujours, évidemment, incompatible avec la présence directe. En revanche… Hervé, de ce point de vue-là, vous allez dans le sens des anglo-saxons de l'exclusion versus best in class à la française, qui gêne certains parce que justement, il y a cette notion de compromis que tu indiques. Et donc, on rajoute cette case de l'exclusion au régime démocratique. Est-ce que c'est ça qui se passe? Oui, alors moi, tu sais que je n'ai jamais été un fan du terme de l'exclusion. Investir, c'est faire des choix d'investissement. Et en fonction de ces objectifs d'investissement, définir les limites, le terrain de jeu auquel on veut aller, c'est ça qui me paraît le principal. Donc, tu peux me dire que c'est un peu de la dialectique et que quand on définit les endroits où on veut aller, on définit ceux où on ne va pas. Oui, mais c'est important de garder ça à l'esprit quand même. C'est-à-dire que cette question de l'exclusion et puis de la montée française, qu'est-ce qu'on exclut, qu'est-ce qu'on n'exclut pas, il faut avoir en tête qu'elle vient aussi beaucoup d'un développement d'une gestion passive, indicielle ou benchmarkée, qui a commencé finalement, qui envoie dans le marché un signal qui est de dire ma première décision en tant qu'investisseur, c'est de ne pas choisir, quoi, et c'est d'investir à l'aveugle sur les indices ou le plus largement possible. Voilà. Et ça, je pense que c'est le contraire du rôle que doivent avoir les marchés de façon générale, et ça ne peut pas être une démarche qui correspond à ce que peut être un investissement responsable. Voilà, donc effectivement, il me semble que l'investissement responsable, sans prétendre à vouloir être la seule approche dans le marché, je pense qu'il y a des épargnants, il y a des investisseurs qui ne sont pas du tout soucieux de ces questions-là, et à la limite, pour ne pas être dans une dictature, ça ne me gêne pas du tout. Par contre, si on se dit qu'on a à cœur d'obtenir des objectifs environnementaux et sociaux, se poser la question des limites me paraît effectivement beaucoup plus forte. Et effectivement, les approches best in class sur certains sujets sont un non-sens absolu. Sur des questions de droits de l'homme ou de régime démocratique ou pas, j'ai vu des fonds dire
Je regarde la note de la Russie ou de la Chine et je la compare avec la note moyenne d'une entreprise. Et si l'entreprise est au-dessus de la note du pays, c'est qu'il y a un effort de progrès. Enfin, on sent bien qu'on est dans le tripatouillage de données, mais que le sens de l'investissement a été perdu. Voilà, par contre, il y a une question qui se pose là d'actualité, qui est effectivement quelles sont les positions qu'on va avoir avec les entreprises européennes qui commercent, qui ont des activités sur ces pays-là. Là-dessus, il me semble qu'il faut, même si on est dans une société qui est dans l'urgence et dans le média, etc., il faut raison garder. C'est-à-dire, le fait de se dire on ne veut pas être présent sur les entreprises qui sont totalement à la main de régimes démocratiques, c'est une chose. Par contre, on ne va pas demander aujourd'hui à des entreprises européennes qui ont une dépendance, qui sont installées dans ces pays-là, de prendre des décisions aujourd'hui, alors que les canaux diplomatiques ne sont pas encore rompus, qu'on est dans un système sur lequel l'évolution de la guerre n'est pas encore claire. Et donc, j'ai envie de dire, sur ces sujets-là, de toute façon, c'est plus les règles de l'OMC, les règles de commerce, les règles des sanctions qui vont imposer aux entreprises, qui vont mettre des limites sur leur capacité à commercer. Voilà, donc, juste pour finir peut-être là-dessus et passer sur Orpea, qui est le sujet qui est principal, une réflexion plus générale serait de se dire finalement, on voit bien que les questions de développement durable questionnent beaucoup les modèles économiques et on voit que ces questions-là questionnent aussi beaucoup un peu les présupposés non seulement de gouvernance, mais aussi d'architecture du commerce mondial qui ont prévalu pendant 30 ans. Si je devais synthétiser, on est parti sur l'idée le doux commerce et si on commerce activement, on accroît la démocratisation du monde et on se rend compte que non, on peut tout à fait commercer de façon très active tout en renforçant des régimes autocratiques dictatoriaux et donc se pose plus globalement l'organisation des règles commerciales que l'on veut mettre en place, et notamment des règles au niveau de l'OMC. Voilà. Est-ce que c'était une bonne chose d'avoir fait rentrer la Chine et pas seulement la Russie dans l'OMC? La question me semble être plutôt à ce niveau-là. Voilà, on prendra, je pense, des questions plus tard sur ces sujets si ça appelle. Après, je voulais vous parler, dans le temps qui me reste un petit peu, d'Orpea, qui est forcément un sujet important. Alors, plutôt que de faire un plaidoyer pro domo sur notre décision, qui, pour mémoire, a été de considérer que nous n'allons pas vendre Orpea suite à la controverse qui a émergé, mais faire de l'engagement et essayer de transformer la société, je voudrais plutôt que faire ce plaidoyer pro domo que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois sur ce qu'est l'investissement responsable, me semble-t-il. Je voudrais revenir sur quels sont les enseignements d'un point de vue ESG qu'on peut avoir sur ce sujet Orpea. Le premier enseignement, et pour résister à la tentation de ceux qui sont tentés de jeter le bébé avec l'eau du bain et de se dire finalement si l'ISR, l'ESG n'a pas été capable d'identifier les problématiques qu'un journaliste a pu identifier après 3 ans d'enquête, c'est que tout ça ne sert à rien et que donc il faut arrêter. Voilà. Il me semble qu'au contraire, ce sujet-là montre que les investisseurs sont au contraire le plus souvent demandeurs de beaucoup plus d'attention à ces sujets-là et qu'il va falloir renforcer. Voilà. Alors, il y a deux choses qui me semblent ont été assez peu dites sur l'ESG et plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, il me semble que ce qui serait important, c'est de revenir sur les deux sujets qui, selon moi, dans l'infrastructure des notations, de l'évaluation environnementale et sociale, sont les deux épines du pied que l'on a depuis l'origine et que sur lesquelles Mirova ne cesse d'essayer de faire de l'engagement depuis 10-15 ans sur ces sujets-là. Ces deux sujets. Premier sujet, c'est la normalisation comptable. On ne peut pas avancer sérieusement et fortement sur les disclosures ESG si on n'avance pas fortement sur la normalisation comptable des questions environnementales et sociales. J'entends toutes les réticences en disant c'est du reporting, c'est des contraintes, mes concurrents asiatiques et d'Europe de l'Est n'auront pas les mêmes contraintes, etc., etc., mes concurrents américains. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce sujet-là montre comme d'autres que si on n'avance pas sur les normalisations comptables, on aura toujours une matière première qui sera insuffisamment riche et qui risque et qui risque donc de laisser passer des mailles dans le filet compte tenu de l'approche. Voilà. Donc, je pense qu'il faut avancer sur ce sujet-là,
quitte à l'Europe à arrêter d'être naïf et à imposer des règles de cotation, des règles d'investissement pour ceux qui n'auraient pas les mêmes normes. Mais je pense qu'il faut avancer sur la normalisation comptable. Ça, c'est le premier sujet. Donc, je crois que tu l'as déjà pas mal mentionné, ce sujet, avec notamment le travail que va entreprendre Emmanuel Faber, l'ISSB, etc. Voilà, ça, c'est un sujet qui me paraît structurant. Le deuxième sujet qui me paraît structurant, c'est le modèle des agences de notation ESG. On ne peut pas rester, il me semble que c'est une erreur d'avoir des modèles de notation ESG basés sur l'information publique, on vient de dire quelles sont les limites, qui se fait uniquement avec des questionnaires et des échanges de mails dans le meilleur des cas, avec des agences sous-staffées qui essayent d'évaluer 8000 entreprises à partir de 100 ou 200 personnes qui sont censées faire ce travail-là. Il me semble que le modèle de notation environnementale et sociale doit être un modèle de notation similaire à celui qui existe sur le crédit, c'est-à-dire un modèle de notation dans lequel l'entreprise fait partie du modèle économique, elle doit payer son système d'évaluation, elle doit ouvrir via des due diligence aux personnes qui font l'évaluation, y compris de l'information des fois confidentielle, non publique, qui doit permettre à ce travail de se faire dans des conditions qui ne reposent pas uniquement sur des obligations de reporting, qui plus est, comme je le disais, basées sur une information pas insuffisamment normée à aujourd'hui. Voilà, il me semble, les deux sujets principaux. Voilà, ce n'est pas pour nous disculper, entre guillemets. Nous, on avait nos analystes, on a peut-être été trompés, on s'est peut-être trompé. Enfin, le ESG ne prétend pas à l'infaillibilité. Mais en tout cas, il faut avoir conscience que la matière première de ce à quoi on travaille est aujourd'hui insuffisamment normée et rigoureuse pour progresser. Voilà. Donc ça, c'est les deux sujets, j'ai envie de dire, d'infrastructure ESG. Et puis, il me semble que la position qu'on a prise, qui n'était pas publique avant, hein, mais qui est une activité d'engagement que l'on a depuis longtemps sur les entreprises à mission, sur les bénéfices top, est un sujet aussi qu'on aimerait voir émerger fortement. On a eu ces dernières années, je ne compte plus les sorties des différents dirigeants disant que le modèle de la shareholder value est un modèle périmé, que le modèle de l'investissement avec la maximisation du profit à court terme est un modèle qui ne correspond pas au talent de l'entreprise, qui ne correspond pas à ce que c'est que le rôle d'une entreprise, à ce qu'est le rôle d'un mandataire social. On a même eu, il y a 2 ans, la Business Roundtable, donc l'équivalent, on va dire, pour caricaturer du MEDEF américain, qui a écrit les principaux dirigeants américains ont signé de leur belle plume un constat que le modèle de shareholder value était à abandonner, qu'il fallait être sur un modèle de stakeholder value. Alors certes, et j'applaudis dès demain, c'est quelque chose que l'on pousse depuis longtemps, mais si on n'est plus sur un modèle de shareholder value, les règles de gouvernance qui existent dans les entreprises, du coup, doivent être profondément modifiées, puisque ça fait 20-30 ans que les modèles de gouvernance, dites de bonne gouvernance, je prends les règles de bonne gouvernance des proxy voting, les sujets d'indépendance, les actionnaires propriétaires de l'entreprise qui mandatent les dirigeants, qui eux-mêmes sont soumis à des règles via des rémunérations variables, via des indicateurs d'agir dans l'intérêt des actionnaires, c'est tout ce modèle-là qui est à reconstruire. Donc, on ne reconstruira pas un modèle stakeholder value avec juste de la RSE ou qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut. Il me semble que les sujets de RSE, pour être sérieux, doivent aussi entraîner une modification des objectifs que cherche à atteindre l'entreprise. Et donc, s'il y a des objectifs environnementaux et sociaux, il faut que ces objectifs fassent partie de la raison d'être des statuts dans l'entreprise et que la gouvernance qui en découle soit appropriée vis-à-vis de ces enjeux. Et c'est ça aujourd'hui qui me paraît être un des sujets pour la décennie à venir,
et quels sont les modes de gouvernance qu'il va falloir inventer pour avoir des vrais modèles d'entreprise qui sont sur la stakeholder value. Et là, encore une fois, je sais bien, je ne suis pas naïf, les règles de marché, les règles de concurrence doivent être interpellées. On ne pourra pas faire coexister dans le même marché ou avec les mêmes règles. On ne pourra pas à la fois avoir des modèles de gouvernance qui évoluent et en même temps garder des principes, par exemple, one share, one vote. Se pose la question de se dire, si on a des modèles de gouvernance qui sont orientés sur la stakeholder value, il faut qu'on soit accompagné d'investisseurs de long terme qui ont des droits, qui ont des devoirs. Et ces droits et ces devoirs doivent être différents d'investisseurs qui peuvent emprunter un titre le jour J et le revendre, j'allais dire le lendemain, mais ça peut même être 2 heures après, tout en bénéficiant de la Hervé, Corian a annoncé qu'il voulait justement, sous forme de certificat de vertu, devenir entreprise à mission. Est-ce que cette... ce process te paraît, à vous, vous paraît pour Mirova, une réponse appropriée pour garantir que c'est le modèle vraiment qui est durable et pas simplement les quelques indicateurs publiés. Est-ce que ça te satisfait en l'état du dispositif d'entreprise à mission? Est-ce que c'est une garantie qui te paraît faire avancer les choses? Alors, ce n'est pas une garantie, mais oui, ça me paraît faire avancer les choses. Ça me paraît faire avancer les choses pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est un signe, c'est un élément du dispositif qui accroît la structure, la profondeur de l'approche de la RSE. Ça ne se substitue pas, mais ça donne un cadre aux objectifs environnementaux et sociaux, ça met une gouvernance derrière ça, ça met de la recherche d'objectifs identifiés qui sont revus par des tiers externes, un espace de dialogue. Voilà. Donc c'est une RSE améliorée qui est plus qu'un comité de panel de parties prenantes. On fait rentrer ça dans le juridique, dans les objectifs de l'entreprise. Donc c'est un élément qui me paraît intéressant pour ce que je viens de dire. Est-ce que c'est une garantie? Bien évidemment, non. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être une entreprise à mission pour atteindre ses objectifs ou atteindre sa mission. Et compte tenu des sujets qu'il y a à traiter, il y a beaucoup de choses qui vont devoir être faites. Mais ce qui me paraît important, c'est justement de se dire, sur ces modèles de gouvernance partenariale, stakeholder value, en tout cas, il faut expérimenter, il va falloir tester de nouvelles choses. Et ce n'est pas en attendant d'avoir le modèle parfait avec le fonctionnement de marché parfait qu'on va pouvoir tester. Donc, je pense qu'une adoption plus large aux États-Unis des Benefit Corp ou en France des entreprises à mission avec une expérimentation au niveau de l'entreprise de qu'est-ce que ça peut vouloir dire, quelles sont les problématiques que ça soulève, est-ce qu'il y a des ajustements du coup à faire dans le droit actionnarial, dans les règles de marché, c'est si on rentre dans ces sujets-là, ça me paraît intéressant. Voilà. Et après, bien sûr, pour revenir sur le modèle des EHPAD en tant que tel, alors c'est sûr que ça paraît, j'aurais envie de dire la même chose hein, pour le traitement des déchets, pour l'accès à l'énergie, pour beaucoup de sujets importants. Quand il y a un objectif environnemental ou social très fort, c'est le plus adapté. Mais là encore, ce n'est pas une garantie et ça ne se substitue pas à une réglementation efficace. Si on doit traiter un des sujets sur le sujet des EHPAD en France, notamment, alors bien sûr, ce n'est pas les politiques qui vont le dire, mais ce qui est stupéfiant, c'est que les évaluations, les audits qui sont faits ne donnent pas lieu à publication des résultats de ces audits. Par exemple, un système concurrent, enfin un système similaire qui existe en Angleterre, les autorités de contrôle sont obligées d'évaluer et de rendre public le contrôle qu'elles ont fait. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui, bien évidemment, sur les systèmes d'EHPAD, mais plus largement sur les systèmes publics, il faudrait avancer aussi dans cette direction. Donc voilà, loin de nous l'idée de dire que parce qu'on aurait des entreprises à mission, on n'aurait plus de risques, plus de sujets. C'est un élément en plus qui me paraît extrêmement important et pas juste une rustine sur un sujet. C'est globalement, dans le cadre d'un modèle d'entreprise plus durable, ça permet de tester une gouvernance plus partenariale, mais ce n'est pas évidemment la réponse à tous les sujets. Merci Hervé. On va aller vers la conclusion pour passer la parole à Philippe Varin. Oui. Donc, où tu reviendras peut-être dans le dialogue, si tu veux bien,
là-dessus, notamment sur l'engagement actionnarial, peut-être, on aurait pu dire des choses. Donc, merci d'avoir vraiment réagi à ce contexte, Hervé, en allant en profondeur dans la recherche de solutions, du reste, et l'amélioration aujourd'hui du fonctionnement. Philippe, on vous passe la parole. Vous avez mille raisons d'avoir un avis qui nous intéresse vraiment fondamentalement sur ce contexte et les conséquences macroéconomiques et microéconomiques qui vont en découler. Je vous passe la parole sans tarder. Philippe, merci d'être là. Merci. Merci Patrick et merci Arnaud et bonjour à toutes et à tous. C'est combien de temps Patrick? Jusqu'à il est on va un bon quart d'heure. Ok. Donc je vais aborder deux sujets. Le premier, ce sont les conclusions de la mission qui m'a été confiée en septembre par l'État sur l'approvisionnement en métaux critiques de l'industrie en France. Et le deuxième sujet, ce sera quid de l'impact de l'invasion de la Russie, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sur ces questions de métaux critiques. Donc sur le premier sujet, peut-être trois points. Le premier sur le monde d'après dans le domaine des métaux critiques. Le deuxième sur les recommandations que j'ai donc été amené à faire. Et le troisième sur l'enjeu européen, parce que le sujet n'est pas uniquement français, bien sûr, il est au niveau européen sur ces questions pour nous. Alors, premier point, les éléments de contexte du monde d'après. Comme je dis souvent, le monde d'après, il est sans carbone, sans CO2, mais il est très riche en métaux. Et bon, l'extraction des matières, c'est un sujet qui devient de toute façon, de manière générale, de plus en plus critique, indépendamment des métaux spécifiques dont je vais vous parler. Enfin, ayez en tête que dans les 30 prochaines années, on va extraire de la planète autant que depuis le début de l'humanité, c'est-à-dire qu'il se rajoute au train d'habitude historique d'augmentation de la population, urbanisation, augmentation du niveau de vie, une bosse de consommation de matériaux qui est liée à l'infrastructure massive qui va être faite pour réaliser l'éviction du CO2, qui est une cause tout à fait, je dirais, louable, il n'y a pas de question là-dessus, mais qui va engendrer des tensions sur les matériaux qui sont assez colossales. Donc, ceci dans, je dirais, un environnement géopolitique, même avant la guerre en Ukraine, était de plus en plus clair, c'est-à-dire que le triangle du pétrole, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, la Russie et les États-Unis, ce triangle qui a gouverné le monde depuis 40 ans, va s'effacer petit à petit, pas immédiatement, mais c'est cet environnement qui a dicté les guerres, une partie des guerres en tout cas, et puis aussi des excursions hors du référentiel de l'économie de marché, comme l'OPEP par exemple. Aujourd'hui, on entre dans une situation où la rivalité entre les États-Unis et la Chine, très visible maintenant dans ce qu'on appelle le découplage sur les technologies avancées, trouve aussi une projection au sol sur les métaux. Dans certains endroits, ça peut s'apparenter à une guerre des métaux. Ce qui s'est passé sur l'Australie récemment, ce n'est pas une affaire de sous-marin. C'est simplement parce que l'Arabie saoudite, c'est l'Australie, pardon, c'est l'Arabie saoudite des métaux, et que les États-Unis ont dit qu'ils voulaient bien que l'Australie continue à exporter du minerai de fer sur la Chine, mais pour les autres métaux, il valait mieux que ça aille vers les États-Unis. Donc, c'est une situation qui est aussi très prégnante en Afrique, où l'influence de la Chine, à la fois sur les infrastructures, sur les mines bien sûr, je vais y venir, et sur l'économie, trouve d'ailleurs un contrepoint en matière de réseaux sociaux et de sécurité par, disons, la Russie, donc il y a une alliance objective des deux sur le terrain de l'Afrique pour réaliser l'éviction de l'Amérique et de l'Europe. Donc, des tensions géopolitiques qui sont de plus en plus évidentes. Deuxième élément très important à avoir en tête, c'est que la croissance des métaux critiques va être explosive. Alors ces métaux, je me suis concentré dans le rapport pour commencer dans une première phase sur les batteries et les moteurs, parce que les moteurs électriques, parce que c'était là qu'il y avait des sujets, des décisions les plus importantes à prendre. Ces métaux, c'est pour les batteries le nickel, le cobalt, le manganèse pour les cathodes des batteries lithium-ion.
et puis le lithium, et le graphite ultra pur d'ailleurs, et puis les terres rares pour les aimants qui vont être utilisés dans les moteurs de voitures électriques, mais aussi bien dans les éoliennes offshore. Donc, la croissance va être explosive sur les 10 ans à venir. Ayez en tête que le marché du cuivre va être multiplié par 2, celui du nickel par 3, celui des terres rares entre 3 et 4 pour les aimants, et celui du lithium par un facteur 4. Donc, si vous, sachant qu'une mine, en général, ça mettait 5 à 10 ans pour venir pour être en opération, ce sera peut-être un peu moins dans le futur, mais donc, à partir du moment où on a, je dirais, une tension géopolitique qui s'est traduite par une mise sous contrôle par la Chine des chaînes de valeur batterie, donc nickel, cobalt, manganèse, lithium, de 40%, même à 40 à 60% selon les chaînes de valeur, contrôlées par la Chine, que dans le domaine des terres rares et des aimants, enfin pour les aimants, c'est 90% contrôlé par la Chine, 100% pour le graphite ultra pur. Il est évident que bon, les États-Unis ont réagi depuis 5 ans. L'Europe, pour l'instant, est un peu à la remorque, pour le dire gentiment. Donc, dans ces situations, les pénuries sont probables. Et donc, la question, c'est que fait-on pour sécuriser les approvisionnements? Alors, les pénuries, c'est pas une vue de l'esprit. On l'a vu sur dans d'autres domaines, sur les composants récemment. On l'a vu sur le magnésium pendant quelques semaines, parce que la Chine n'arrivait pas à produire. Et on risque de le voir, je dirais, sur ces métaux. Alors, c'est un enjeu colossal pour l'Europe, parce que sur les 10 ans à venir, il faut s'équiper en gigafactory production de batteries, donc, parce qu'on prévoit de devoir produire pour la moitié des véhicules qui seront électriques à l'horizon, entre 600 gigawattheures de capacité de batterie à 1000 gigawattheures. Ça ne vous dit pas grand-chose, ça veut simplement dire qu'il faut investir 150 milliards d'euros en gigafactory. Il y en a 38 qui ont été annoncés, dont 3 en France. Il n'y aura pas forcément les 38 au rendez-vous, mais des investissements qui sont donc très, très importants, qui sont un enjeu massif. Et je dirais sur les aimants, ayant en tête qu'il y a 500 kilos d'aimants en haut du mât d'une éolienne offshore aujourd'hui, et qu'il y a dans chaque moteur entre 3 et 5 kilos d'aimants, et si vous multipliez pour la France, par exemple, pour 2 millions de véhicules en 2030, ça fait des masses assez colossales, contrôlées par la Chine, je le disais, à 90%. Donc, mes recommandations, enfin, les recommandations du rapport, elles concernent, un, la sécurisation, deux, la localisation des activités aval qui sont nécessaires en Europe, je pense, et trois, quelques priorités au niveau de l'Union européenne. Bon, sur la sécurisation, nous n'avons pas en Europe des opérateurs miniers de classe de premier rang, je dirais, comme Anglo-American, BHP, Billiton, Rio Tinto. Nous avons Eramet en France qui a dû s'allier à des Chinois sur les mines de nickel en Indonésie ou sur le lithium en Argentine par manque de moyens, ce qui est quand même étonnant. Boliden en Suède. Mais enfin, on a donc un vrai sujet de sécurisation, parce que le jour où vous avez une pénurie, le jour où donc les grands constructeurs automobiles vont devoir, ils sont en train de passer des contrats de 10 ans d'approvisionnement, c'est la première fois que ça arrive directement avec les opérateurs miniers pour sécuriser les flux, vous devez avoir un très bon contrat juridiquement bien solide, je dirais la source, elle actionne la clause de force majeure et vous n'y pouvez rien et vous vous retrouvez dans l'incapacité de produire les véhicules. Donc, il faut aller plus loin. Et donc, la première proposition, c'est de mettre en place un fonds d'investissement en equity, qui est un fonds donc, de risque monnaie, comme disent les Canadiens ou les Australiens, nous n'avons pas, soutenu en dette par la Banque européenne d'investissement et qui permette de prendre des positions minoritaires dans un certain nombre de mines. Il ne s'agit pas d'opérer les mines directement, mais on peut prendre 10% de certaines mines, même avec des grands acteurs miniers qui ne demandent pas mieux que d'avoir le halo européen, je dirais, dans le bord tour de table pour stabiliser des situations politiques pas toujours évidentes. Ce fonds, il peut être dérisqué parce que les grands OM pourraient apporter une sécurité d'output pendant 10 ans grâce au contrat d'offtake, sécurisé par une diplomatie économique des métaux
que nous sommes en train de mettre en place, qui n'existait plus vraiment, en tout cas pas au niveau français et pas en Europe, ce qui est très très dommage compte tenu de notre potentiel. Et puis, ce fonds pourrait être aussi un vecteur de déploiement des normes européennes en matière de mines responsables. Je vais y venir dans un instant. Donc, les Japonais ont un tel fonds avec le JOGMEC depuis 20 ans. Les États-Unis ont pris des dispositions de prêts à taux zéro pour toute mine qui leur apporte directement les matières aux États-Unis. La Corée a également un dispositif. Donc, et la Chine n'en a pas besoin puisque les grands mineurs chinois sont des state-owned enterprises qui sont tout à fait financiers. Donc, un, la sécurisation. Philippe, le recyclage peut apporter quel ratio de sécurisation du besoin? Le recyclage à court terme ne sera pas la solution. Le recyclage doit être pris en compte, bien évidemment, parce qu'à l'horizon de 10 ans, ça fournira. Alors, ça va être très progressif et ça va dépendre du réemploi ou non des batteries après un premier usage. Mais je dirais qu'au départ, c'est presque négligeable, on est de l'ordre des quelques pourcents, hein, le temps que la première vie des batteries, donc sur les 10 ans à venir, sera très faible. Donc au bout de 10 ans, ça pourrait être 10-20%, mais ça doit être conçu dès le départ, pour des raisons techniques, parce qu'il faut que les opérateurs, justement, ça fait partie de ces stades de valeur ajoutée qui sont entre la mine et la gigafactory, parce qu'on est sûr de l'endroit de la mine, parce qu'elle est sur le minerai, et de la gigafactory, parce que la décision a été prise de la mettre pour... Je peux vous demander un tout petit instant, j'ai un tout petit problème de... Allô? Oui. Est-ce que vous me donnez une minute chrono? Je suis à vous tout de suite. Oui. Donc, on va, pendant que Philippe a une interruption à gérer, on va faire le point à partir des questions peut-être qui se posent et sur lesquelles Hervé peut aussi apporter son éclairage. Arnaud, est-ce que tu veux reprendre dans le questionnaire Je peux poser une question qui apporte une réponse rapide, comme ça permettra à Philippe de rebondir dès qu'il nous rejoindra, qui peut s'adresser à Hervé ou à toi, Patrick. C'était, vous avez parlé de l'intervention d'Emmanuel Faber par rapport au point qui a été développé par Hervé de normaliser les systèmes comptables. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'est en train de faire l'IFFB et Emmanuel Faber sur ces questions-là? Rien ne sort, Hervé complétera, pour avoir été en contact, rien ne sort, rien ne se dit au niveau de la structure fêtière qui est appelée ISSB, donc qui d'une part s'appuie sur la fondation IFRS et puis sur les acteurs américains notamment, rejoints par GRI, IRC, etc., sachant qu'en parallèle, mais la fonction d'Emmanuel Faber sera de faire ce pont et de savoir ce que l'Europe fait autour de l'EFRAG. Alors, voilà, c'est pour répondre ça, mais pour l'instant, rien ne sort de ce chantier. Philippe, tu peux reprendre le fil. D'accord. Pardon, merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, donc ça, c'est la question de la localisation. Oui. Lorsqu'on fait une batterie, on part de la mine, on raffine le métal, on fait les précurseurs de la batterie et on assemble dans la gigafactory. Donc, la proposition, c'est de mettre les éléments de valeur ajoutée en Europe plutôt que dans les pays d'origine. Et à Dunkerque, on a la possibilité de mettre sur la plateforme de Dunkerque le raffinage et les stades intermédiaires pour livrer les 3 gigafactory qui sont à Douai, Douvrin et Dunkerque pour Vercors. Donc ça, c'est donc la première recommandation de localisation. Et pour les aimants, l'idée, c'est de mettre sur la plateforme de LAC, où Total va devoir substituer ses activités qui sont liées au gaz, qui va disparaître petit à petit, de mettre les éléments pour faire une chaîne de valeur aimant, puisque, comme je vous disais, il n'y a pas d'aimant produit en Europe. Donc, deuxième recommandation, avec les dispositions en matière de R&D et de compétences qui sont associées à ces plateformes. Troisième recommandation sur l'Union européenne. Alors, il y a deux sujets dont un a déjà été un peu abordé. Le premier, c'est celui de la mine responsable. C'est-à-dire que l'Union européenne est en train de mettre en place
un règlement pour les batteries qui donc indique le taux de recyclage dans les batteries, le fait qu'il doit y avoir un passeport CO2 et dit qu'il faudra que l'activité minière ait été faite selon le code de la mine responsable. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien en termes de normes ce que ça veut dire. Il y a plusieurs possibilités et donc il faut absolument préciser ce qu'on entendra par mine responsable. Il y a plusieurs options, on pourra en reparler. Donc ça, c'est première priorité au niveau européen, parce que les mines, aujourd'hui, ne sont pas dans la taxonomie. On a réussi à mettre le nucléaire et le gaz, le commissaire Breton, le 31 décembre à 22h, dans l'acte 1 de la taxonomie, mais dans l'acte 2, il faut y mettre les mines, sinon on a un vrai sujet. Simplement, il faut préciser ce que veut dire une mine responsable pour que l'opinion publique admette que l'on exploite des mines, y compris en Europe, étant entendu que l'Europe ne représentera que 20 à 30% des besoins. Hein. Donc, il faut importer le reste. Bon. Donc, premier sujet, taxonomie et norme. Deux, le financement. Donc, le fonds que j'ai évoqué pourra être aussi au niveau européen, ceci est en débat, et soutenu par la Banque européenne d'investissement. Une autre manière de financer, c'est d'élargir ce qu'on appelle les IPCEI, qui actuellement, il y en a deux sur les batteries, vous savez, sont les zones sur lesquelles l'Europe permet aux États d'aider leurs entreprises en exonération des aides d'État habituelles. Ça permettrait de financer aussi les supply chains depuis la mine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà les recommandations qui ont été faites. Elles ont été entérinées avec en matière de gouvernance la nomination d'un délégué industriel, la création d'un vrai observatoire des métaux critiques fondé sur les compétences du BRGM, mais avec des moyens qu'il n'a pas aujourd'hui. Et puis, je dirais que c'est à peu près tout. L'État a mis un milliard sur la table avec 500 millions d'appels à projets, 500 millions de fonds propres. Donc ça, c'est c'était avant la guerre en Ukraine. Sur ce sujet, j'avais prévu donc une phase 2 qui était en cours, tout à fait récemment. Après les deux chaînes de valeur, batterie et aimant, nous avions décidé d'explorer donc avec l'aéronautique les contraintes, avec l'électronique, la même chose, l'hydrogène, la même chose, et bien sûr les questions de défense. Ayant en tête qu'avec ce qui se passe, il peut y avoir quelques sujets non négligeables. Le premier, sur l'aéronautique, l'ensemble Russie-Ukraine, c'est 20% de l'éponge de titane, et à peu près un peu moins de 10% du titane directement. Donc en fait, on a 30% de ressources en titane qui risquent de disparaître quelque temps. Donc il y a une task force, j'étais en relation avec le GIFAS hier, avec Guillaume Faury, pour essayer de voir comment on va trouver les solutions appropriées. Le deuxième point à avoir en tête, c'est que en matière de palladium, pour les pots catalytiques, plutôt pour l'essence, pour le palladium, et en matière de platine, ce sont des grands fournisseurs. 40% du palladium, 12% du platine mondial. Donc là aussi, il peut y avoir des choses à regarder de manière assez urgente. Sur les batteries, sur lithium cobalt, on est moins de 10%, donc il y aura un impact, mais qui n'est pas aujourd'hui majeur, surtout dans le terme voulu. Par contre, sur l'électronique, en matière de germanium, de sélénium, tellure, etc., sont des très petites quantités, mais qui sont critiques. La Russie et l'Ukraine sont très, très présents. Donc, il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour trouver des ressources alternatives. Et c'est pour ça que l'État, dans le cadre du plan résilience que le président de la République a annoncé, met en place une task force sur les métaux avec les industriels, dont je m'occupe dans l'urgence. Voilà. Est-ce que c'est pas le moment de revoir de manière beaucoup plus sérieuse notre partenariat avec l'Union africaine, puisque évidemment là il y a un axe de ressources de minières, mais que nous avons abandonné aux Russes et aux Chinois et aux Canadiens. Est-ce que c'est pas là que la mine responsable, je dirais euro-africaine, pourrait se construire? Ah ben oui. Je suis absolument convaincu. Alors moi, j'étais dans ma vie professionnelle, j'étais président
d'aluminium de Cameroun, aussi très impliqué au Niger avec l'uranium. Donc, oui. J'ai un peu l'expérience et on voit actuellement ce qui est en train de se passer avec de grosses dérives. Si on prend la RDC, par exemple, oui. qui est le fournisseur de 60% du cobalt mondial, la moitié des mines, notamment d'ailleurs celles qui sont sous, je dirais, la supervision, entre guillemets, chinoise, ont des pratiques qui sont complètement inacceptables. Hein. Donc, on voit bien qu'il va y avoir un certain nombre de sujets et la mine responsable, si on met des normes exigeantes, c'est certainement le moyen d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Europe, dont on a beaucoup parlé, mais en fait, il n'y avait pas de substance, il y a eu des essais sur l'énergie, si vous vous souvenez du plan Borloo ou autre, mais en fait, pour l'instant, ça n'a amené nulle part réellement. On a là une vraie opportunité. Ouais. Merci de ceci. Question simplement pour faire la transition avec le débat avec nos participants sur la conjoncture. Est-ce que de la crise telle de la guerre telle qu'elle va probablement durer encore un certain temps, est-ce que cette affirmation par les Allemands aujourd'hui d'une volonté de souveraineté renforcée, elle peut se traduire parce que notamment sur les minerais, les terres rares, les Allemands avaient quand même engagé avant nous le travail. Est-ce que la sanctuarisation de nos ressources minières dans un couple franco-allemand et européen plus solide n'est pas aujourd'hui en meilleure posture? Quand on regarde la situation des constructeurs allemands, j'ai entretenu avec les CEO de Daimler, BMW récemment, ils avaient essayé il y a une dizaine d'années de mettre une Rostov Alliance qui n'a pas franchement marché. Pourquoi ? Parce que c'était le responsable de supply chain qui voyait ce qu'il pouvait optimiser. Mais dans la réalité, vous savez, le constructeur automobile, pour qu'il collabore, il faut qu'il y ait vraiment des gros enjeux. Sinon, ils sont assez individualistes. Et on a une situation où la France n'est pas du tout en retard par rapport à l'Allemagne. Je pense que nous avons une vraie opportunité avec l'Observatoire des matières premières français, BRGM, de nouer un vrai partenariat avec le DERA allemand pour mettre nos ressources ensemble sur certains sujets. Et je pense que la question d'autonomie européenne, elle doit être portée au niveau de l'Union européenne. Le couple franco-allemand est absolument important, notamment avec les constructeurs automobiles. Et je pense qu'il faut y ajouter aussi des pays comme la Finlande, hein, qui sont des miniers, qui sont assez... ont de gros enjeux. La Suède et Finlande. Et j'ai eu l'occasion, début février, à Lens, de plancher devant les 27 ministres de l'industrie européens sur ce sujet. Et franchement, je pense qu'il y a tout le monde réalise que voilà, il faut vraiment avancer, il faut se donner des moyens, il faut qu'on avance sur la taxonomie. Et donc, je pense que là, il y a clairement, dans le contexte le plus récent que l'on connaisse avec la guerre en Ukraine, ça ne fera que renforcer ce mouvement. Mais merci. Ce sont évidemment des signaux absolument fondamentaux. Et on a quoi ? On a 10 ans pour faire ça, pas plus. Ah ben, de toute façon, même avant. Même avant. En fait, l'idée, c'est que ces décisions doivent être prises maintenant si on veut être prêt en 2030, hein, parce que sinon, on sera doublé. Enfin, je veux dire, la Chine, entre 40 et 60% du contrôle mondial des chaînes de valeur, 90% des aimants. Hein, on ne peut pas faire 2 millions de voitures en France à l'horizon 2030 fournies à 90% par la Chine pour les aimants. Ce n'est pas possible. Oh, ce serait hyper dangereux. Les constructeurs partagent, vous les connaissez bien, Philippe, les constructeurs partagent cette criticité, ce sentiment de criticité. Ils le partagent, de gravité. Il s'avère que je les connais bien. Parce que j'en ai fait partie il n'y a pas si longtemps. Tout ce que je dis a été complètement endossé par Carlos Tavares et son équipe, par Jean-Dominique Sénard, Luca Di Meo et son équipe, parce qu'en réalité, le sujet, c'est que la culture du constructeur automobile, alors moi j'ai cette chance, si je puis dire, c'est qu'ayant eu les pieds dans la mine d'un côté, puis le constructeur automobile de l'autre, je vois à peu près, je parle les deux langages. Mais c'est le constructeur automobile, il a l'habitude de passer ses commandes à ses fournisseurs de rang 1 qui s'occupent de leurs approvisionnements,
via du fournisseur de rang 2 ou 3, chacun s'occupant de ses approvisionnements. C'est la première fois que les constructeurs automobiles doivent passer des contrats de 10 ans avec des miniers. Parce que pour l'acier de la voiture, ce n'était pas nécessaire. Ou pour l'aluminium, ce n'est pas nécessaire non plus. On peut l'acheter même sur le LME, mais pas pour le nickel, pas pour le lithium. Il y a des tas de problèmes de qualité. Donc, c'est une nouvelle approche et aussi une nouvelle culture. Donc, ils ont un peu de mal à démarrer en France et en Europe, d'ailleurs. On a du retard par rapport à Elon Musk aux États-Unis, qui a été quand même avec General Motors, qui a une certaine avance sur le sujet. Mais ça y est, maintenant, c'est parti. C'est un très gros enjeu. La bonne nouvelle, c'est que ça crée des barrières à l'entrée, quand même. Pour les surtout que si on ne le fait pas, si on sera amené, comme on le fait aujourd'hui, on importe les batteries. Ce n'est pas tenable. Ouais. Arnaud, tu prends le fil des questions dans le temps qui nous reste. Oui. Miguel et Philippe Varin, on a un bon quart d'heure sur les questions. Je te laisse la main. Merci à vous deux pour vos présentations que je comprends ont été d'une clarté limpide, parce que je m'attendais à une avalanche de questions dans ce contexte un peu politiquement tendu, géopolitiquement tendu, et vous êtes encore assez discret. Donc, n'hésitez pas à rajouter des questions. Je vais commencer par une série de questions destinées à Hervé qui avait commencé les interventions. Donc, en réalité, c'est trois questions qui s'intéressent, alors que ce soit par l'accroche autour de l'Ukraine ou d'Orpea, qui s'intéresse au bien fondé des critères ESR. Donc, je vous les livre. Alors, en réaction par rapport à la situation en Ukraine, Lydia posait la question, alors je vous la livre telle quelle parce qu'elle est assez explicite, faut-il une guerre pour revoir les critères ESR? Et parce que finalement, les investissements non durables sont partout. Une deuxième question qui portait, pareil, je vous la livre directement, c'est ne faut-il pas suspendre les notations ESG tant que la mécanique de notation n'est pas bonne? C'était en réaction à votre remarque sur les mécanismes des agences de notation extra-financière, sachant que ça pourrait porter un risque de décrédibilisation de ce concept ESG dans son ensemble. Et puis, une dernière question qui fait aussi écho à l'introduction de Patrick sur l'enjeu de partage de valeur que vous avez peu abordé, Hervé, c'est vous avez beaucoup accentué les enjeux de fiabilité du système de notation ESG. Mais qu'en est-il de l'arbitrage entre rentabilité et ESG? Est-ce que ce n'est pas une cause aussi de la dérive inhérente à Orpea? Et comment vous arbitrez, vous, en tant qu'institut de financement spécialisé, les questions de rentabilité versus performance extra-financière? Bon, alors merci pour ces questions. Je fais très rapide. Sur la première question, l'ISR, nous, ça fait longtemps qu'on plaide pour que… Si vous voulez, aujourd'hui, vous pouvez appeler ISR un peu tout et n'importe quoi. Vous dites que vous intégrez, que vous vous intéressez à des questions environnementales et sociales, vous mettez ça un paragraphe dans votre analyse financière et vous pouvez aller au label pour dire que vous avez un fonds labellisé ISR. Nous, ce qu'on pense, c'est que la terminologie ISR pour la compréhension du grand public, ça doit être uniquement des fonds qui ont des objectifs environnementaux et sociaux explicites et qui reportent sur les indicateurs environnementaux et sociaux ex ante et ex post qui cherchent à obtenir. Donc oui, voilà. Alors après, il ne faut pas une guerre en Ukraine pour que ça questionne l'ISR. Ces questions-là, elles sont partout dans l'ISR. C'est les grands débats, c'est intégration ESG, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Matérialité financière versus matérialité environnementale et sociale. C'est-à-dire, je m'intéresse aux questions environnementales et sociales que quand elles ont une influence sur ma performance à court ou moyen terme. Est-ce que ça, c'est de l'ISR? Ou est-ce que l'ISR, c'est j'ai des objectifs environnementaux et sociaux? Donc, ça, je pense que la guerre, les crises qu'on traverse sont toujours que ce soit Orpea ou que ce soit la guerre en Ukraine, sont toujours des questions qui vont permettre peut-être d'avancer et de clarifier ces sujets-là. Mais oui, je pense qu'on a un vrai sujet de normalisation de ce que c'est que l'ISR. Le jour où on aura dit que 100% des investissements sont ISR, on n'aura plus rien dit, parce que je ne crois pas à un monde de l'investissement dans lequel il y aurait 100% d'épargnants ou d'investisseurs qui veulent absolument que les questions environnementales et sociales soient cœur dans leur choix d'investissement. La deuxième question, c'était… je l'ai raté, il y avait une question sur… Est-ce qu'il ne faut pas suspendre les systèmes de notation ESG? Oui, bon, moi, je suis plutôt partisan de « on apprend en marchant », donc vaut mieux savoir quelles sont les limites et avoir du bon disclosure sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'il faut améliorer, plutôt que de dire « on ne fait rien en attendant que ce soit parfait », parce que là, on risque d'attendre longtemps. Voilà, mais il ne faut pas se cacher non plus. Voilà. Je pense que
Il y a un vrai sujet, notamment au niveau des agences de notation, de prendre des. Elles sont, si vous remarquez, hein, sur tous ces sujets-là, pas, zéro prise de parole. Hein. Oui. Y compris les Américains, S&P et Moody's, qui ont racheté des agences, on pouvait s'attendre à ce que, compte tenu des investissements qu'ils ont faits, ils soient un peu plus proactifs sur la normalisation et les enjeux. On a zéro prise de parole. Voilà. Oui. Je pense que la vraie question, c'est plutôt de les bouger que de leur dire d'arrêter de faire des systèmes. Oui. Le dernier point, partage de la valeur, oui. c'est le cœur du sujet, en fait. Le cœur du sujet, qu'est-ce qui tourne autour de l'ISR ou du capitalisme responsable, etc., c'est de dire qu'on veut essayer de sortir d'un modèle dans lequel on avait dit les entreprises cherchent à maximiser le profit et puis il y a des autorités publiques, parapubliques qui sont là de s'occuper de la répartition et des externalités environnementales et sociales, en disant dans une organisation ouverte et compte tenu des enjeux, les entreprises doivent être des éléments moteurs et importants de la prise en compte de ces externalités environnementales et sociales. Donc, partant de là, on dit bien que si les entreprises ne sont gouvernées et n'ont plus qu'un objectif de maximisation du profit, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est la fameuse phrase de Friedman, une bonne RSE, c'est le profit. Voilà, donc, non, le sujet de la répartition de la valeur, il est clé, mais encore une fois, il est clé qu'il ne pourra être traité de façon sérieuse que si les modalités de gouvernance d'entreprise sont transformées. Et ça, c'est un des autres sujets de l'ISR slash ESG. C'est, voilà, pour caricaturer ce que pourrait être l'ISR, vous pouvez dire l'ISR, c'est prendre en compte l'ESG. Dans ESG, il y a gouvernance. La gouvernance, je considère que c'est la défense du droit des actionnaires minoritaires. Et donc, vous pouvez faire un fonds ISR en cherchant à défendre le droit des actionnaires minoritaires. Donc, vous renversez complètement le sujet en disant, vous avez un sujet globalement d'un capitalisme responsable qui doit avoir des objectifs environnementaux et sociaux, et vous pouvez faire un fonds ISR qui n'a rien à voir avec ça. Voilà. Donc, ça fait le lien avec la première question. Et j'en profite, puisque vous m'avez passé la parole, moi, j'étais… par M. Varin, que je trouve que son exposé et le sujet qu'il a traité était ô combien stratégique, c'est-à-dire que je trouve, et quelque part, même si la crise en Ukraine met en avant les problématiques énergétiques, je pense que le sujet des ressources minières, des métaux, est beaucoup plus crucial et important parce qu'on n'a pas d'alternative. Le pétrole, le gaz, on peut réfléchir à moyen long terme à des alternatives. Sur l'approvisionnement en matières premières des métaux, c'est un sujet crucial. Et voilà, j'avais juste peut-être une question pour lui, c'est-à-dire pourquoi ce rapport qui me paraît, en vous écoutant en tout cas, qui me paraît extrêmement éclairant et qui devrait faire partie des sujets de débat de façon importante, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été rendu public et quelles vont être les suites un petit peu publiques ou de politique à ce rapport? Si je peux me permettre une question. La parole à Philippe. Oui, merci, M. Guez. Je vais prendre peut-être les deux points que vous avez évoqués, puis je crois qu'il y avait des questions sur le recyclage également. Effectivement, ce que vous dites sur la crise énergétique qui est devant nous, c'est clair, un énorme impact, justement, parce qu'il va falloir trouver des solutions de substitution. Ces solutions de substitution vont venir renforcer encore l'attraction sur les matières. Hein. Donc, on va créer des tensions ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a intérêt vraiment à les anticiper. Attendez, je vous demande encore une minute, chrono. Alors, est-ce qu'on peut afficher la slide suivante? J'ai demandé Antoine et Léo pour prévenir. On va compléter ce webinaire par un dialogue de notre communauté MR21 bientôt. Voilà, je vous remercie de l'afficher et de la laisser pour informer tous nos participants qui le voudront du dialogue MR21 du 10 mars avec Sylvie Matelli de l'IRIS. Voilà, merci de laisser cette slide. Alors, oui, je reprends. Alors on vous laisse la parole. Sur la question de la crise énergétique et des matériaux, il y a effectivement un lien, c'est qu'on va amplifier le problème que nous avons aujourd'hui. Donc, d'où c'est important de s'en occuper. Le deuxième point sur la publicité du rapport, le point est le suivant, c'est qu'on a voulu faire, l'objectif n'était pas de faire un rapport à mettre en classement vertical, et donc il y a dans le rapport beaucoup d'informations confidentielles sur les fournisseurs,
notamment de la part des constructeurs automobiles. Donc, le rapport en lui-même, c'est pour ça qu'il n'est pas publié. On pourra, et c'est vraiment une chose à faire, on a un énorme effort à faire en matière de communication et d'information sur ces questions. Le grand public, et d'ailleurs les responsables politiques, sont dans une très forte ignorance des problèmes de matériaux en général. Donc, le point fait partie des éléments d'action qu'il faut qu'on mette en place. Ça me paraît absolument clair. Je vais peut-être, si j'ai une minute, donner un complément sur les questions de recyclage, parce que je vois qu'il y a des questions. Oui. Je n'ai pas beaucoup abordé cette question parce que je l'ai mentionné au début. Je vais revenir sur le recyclage pour les chaînes de valeur batterie, les chaînes de valeur aimant et de manière plus générale. Sur les batteries, je l'ai dit, bon, donc à l'horizon des 10 ans, on n'aura pas un impact hyper significatif. C'est vraiment à partir de 15 ans où on va voir l'effet du recyclage des premières batteries, etc., qui va venir être très, très significatif. Néanmoins, donc, il faut s'en occuper parce que lorsqu'on met sur le site de Dunkerque, par exemple, des installations de raffinage ou derrière de fabrication des précurseurs des batteries, eh bien, il faudra y mettre aussi probablement les opérations de recyclage parce qu'il est important que lorsqu'on prend une batterie, il va falloir d'abord en faire la collecte. Ce sont les deux constructeurs en France qui vont s'en occuper, comme ils font aujourd'hui. Ils passent les contrats avec les CAS, comme ils ont les contrats aujourd'hui. On va récupérer les batteries, on va les démanteler. Et une fois qu'on les aura démantelées, il faudra traiter par de l'hydrométallurgie probablement le cœur de la batterie pour récupérer les métaux, nickel, lithium, manganèse, et ensuite réinjecter le produit de l'hydrométallurgie dans le circuit primaire pour, au niveau du raffinage. Hein. Donc, il y a tout un circuit circulaire là, qui va se mettre en place. Il y a aujourd'hui… Alors, la question de la collecte n'est pas franchement un sujet. La grosse inconnue à ce stade, c'est sur la réutilisation des batteries de voitures après, je dirais, une période de vie. Est-ce que ce sera utilisé, par exemple, pour le stockage de l'électricité en stationnaire ou autre? Donc, tout ça reste à voir. C'est important, c'est de savoir que cette batterie a une vraie valeur en fin de parcours. Donc, elle sera donc bien gérée normalement. Il y a actuellement trois flux de recherche, ou même quatre flux de recherche sur différents procédés de recyclage, avec d'un côté Suez et Eramet, de l'autre côté Veolia et Solvay, le troisième c'est Orano, et tout ça est soutenu par l'État pour pouvoir fournir les bons procédés de recyclage pour les batteries. Donc ça, c'est la dimension batterie sur la partie aimant. On a aujourd'hui beaucoup d'aimants dans le circuit, dans les appareils électroniques, domestiques, etc., et déjà des moteurs. Il y a actuellement, donc, sur le site de LAC, va être mis en place le recyclage d'aimants qui va conduire par après le broyage et de l'hydrométallurgie, on va redissoudre l'aimant pour arriver à l'oxyde de terre rare. Et c'est une joint venture entre Orano, qui a l'habitude de l'hydrométallurgie à l'AG pour les matières nucléaires, et Carester, qui sont les anciens de l'usine de La Rochelle, qui vont s'installer. Et on va revenir à l'oxyde de terre rare, qui est le même produit que ce qui sort d'une mine de terre rare. Et donc, il faudra ensuite, et c'est ça la vision, développer les stades aval de fabrication du métal et de fabrication des aimants, donc en France, si possible. Donc, c'est ça la vision. Donc, il y a vraiment, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des projets qui ont démarré. Si on pouvait aujourd'hui recycler 100% des aimants qu'on utilise, et on pourrait fournir 20% de nos besoins. Donc, aujourd'hui, on ne recycle pratiquement pas. Donc, ça veut dire qu'on importe les aimants pratiquement que de Chine. Ouais. Et ça, ce n'est absolument pas durable. Et le recyclage est important. Et donc, il faut. Là, c'est en cours, c'est lancé, et ça prend un peu de temps pour être mis en œuvre. Il y a une question de manière plus générale sur les déchets électriques et électroniques qui ne sont pas à recycler, ou très peu. Je pense que ça, c'est une des priorités. Maintenant, il y a le dispositif de responsabilité élargie du producteur qui fonctionne. Mais force est de constater que pour tout ce qui concerne l'électronique, les smartphones et autres équipements, on est certainement au cœur de très gros progrès. Et la technologie, là aussi, ce sont des technologies d'hydrométallurgie qui seront utilisées pour les aimants, qui pourraient être aussi utilisées. On parle beaucoup d'urban mining, mais dans la pratique, on en est encore très loin.
Voilà. Dernière, Arnaud, je te laisse gérer la dernière question. Oui, effectivement, on est en plus de temps, alors ça s'adressera à Philippe, mais si tu pouvais répondre très rapidement. Alors, beaucoup de questions déportées, l'enjeu de ressources vers l'énergie dans le cadre du conflit ukraino-russe. Et est-ce que tu pourrais nous dire en deux mots quelle est ta perception sur les évolutions qu'on peut anticiper en matière de contraintes sur l'énergie? Est-ce que ça va être un contexte favorable à la décarbonation ou au contraire une difficulté supplémentaire pour aller vers ces réductions de gaz à effet de serre, d'après toi? Je pense que à partir du moment où 40% des approvisionnements de gaz disparaîtraient, le pays le plus impacté, c'est l'Allemagne. C'est évident. Et à cet égard, ce qui va se passer, moi, je ne vois pas comment, en très peu de temps, on peut d'ailleurs. Il y a eu cette déclaration de Scholz sur l'énergie renouvelable à 100% en 2035. Ouais. Donc, c'est hyper ambitieux. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens techniques de garantir que ce sera possible. Bon, après, si tous les ingénieurs s'y mettent. Mais l'énergie 22 est un échec en Allemagne aujourd'hui. C'est un échec parce que en fait, les éoliennes sont dans le nord de l'Allemagne la circulation pour aller vers les centres qui utilisent l'énergie, elle n'est pas suffisante avec les lignes qui existent. Le plan de l'Allemagne était certainement de remplacer le gaz progressivement par de l'hydrogène, produit notamment dans les pays du Golfe ou ailleurs, ou au Maghreb. Aujourd'hui, ce plan est à revoir complètement. Donc, je pense que l'objectif étant donné, ils vont faire en sorte qu'il soit atteint le plus possible. Je pense qu'on ne va pas y arriver. Je ne vois pas très bien aujourd'hui comment on y arrive sans un effort colossal sur les économies d'énergie. Parce que ça, je dirais, il y a du potentiel. On a tous du potentiel d'économie d'énergie. On peut l'estimer, en tout cas dans le domaine domestique, à 20 à 30%, assez accessible. Et donc, c'est ça qui, à mon avis, doit régler une partie du problème, et c'est très vertueux en matière de décarbonation. Merci. Merci de cette bonne nouvelle. Il en faut quelques-unes dans ce paysage quand même très orageux. On vous remercie mille fois, Hervé, d'avoir été franc sur les aujourd'hui les limites, les contraintes de notre univers ESG. Dieu sait s'il a fait du chemin et s'il est un levier formidable, mais que d'enjeux à relever. Et alors, je ne parle même pas sur l'énergie et la mine, Philippe, et sur les matériaux, à quel point cela va conditionner la réindustrialisation si on rentre dans ce cycle de réindustrialisation qu'on peut espérer. Et en tout cas, le maintien de nos capacités industrielles au moins. On voit là que le durable, aujourd'hui, c'est sacrément sérieux et mobilisateur. Donc, on vous donne rendez-vous pour ceux qui s'intéressent. On fait avec notre partenaire Iris, on a un cours qui s'appelle Géopolitique de l'économie responsable avec Sylvie Matelli, un dialogue qu'animera Marine Champon le 10 mars. Donc, vous voyez, pour ceux qui s'intéressent. Et puis, notre prochain webinar où nous essaierons toujours de vous apporter et les meilleurs experts et une synthèse qui soit pour vous source d'inspiration, je l'espère, et de réflexion et utile. Merci à l'équipe des Colloques d'avoir piloté tout ceci, à vous d'y avoir participé et Philippe Varin et Hervé de nous avoir éclairés dans ces temps sombres. À bientôt et bon week-end. Merci à vous. Merci. Et je m'autorise, si tu me permets, Patrick, une fois n'est pas coutume, un petit mot au commercial. Nous sommes en train de proposer une formation pour les futurs consultants qui se destinent au métier de la transformation durable. Oui. Cette formation a lieu la semaine du 14 mars. Il nous reste quelques places, donc n'hésitez pas à nous solliciter et à contacter notamment Clément dans nos équipes pour vous inscrire. Bravo. Merci à vous. À bientôt. Merci à tous. Merci Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.